Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour le premier vrai épisode de Fallout 4. À partir de maintenant, les épisodes feront entre 15 et 20 minutes. Et on est parti du coup tout de suite. J'ai juste checké très rapidement l'épisode précédent, le son avait l'air bon. Dites-moi si vous voulez le son du jeu un peu plus fort. Là j'ai un tout petit peu augmenté. Et également j'ai souvent dit Far Cry, alors vous m'excuserez, je dirais souvent Far Cry, c'est un réflexe, mais on est bien sur Fallout, hein. Attention, on est bien sur Fallout. Allez, on est parti, donc on sort du bunker 111, de l'abri 111, et nous sommes dans le vrai monde, post-apo. Rentrez chez vous. Wow. Ouais, effectivement, alors il y a bien tout qui a été défoncé, hein. Donc normalement, ça doit faire à peu près une centaine d'années, parce qu'on devait être dans les années 60-70, quelque chose comme ça. On peut-être jouer en première personne, quand même. Ouais, on devait être dans les années 60-70 au début. Utilisez la molette de la souris pour ajuster votre vue. Ouais. En l'occurrence, là, on est en 2077, j'imagine. Donc ça doit faire une centaine d'années. Appuyez sur les chiffres pour sprinter. Oui, ça, je connais. Découverte. Sanctuary. Uniforme de facteur. Cafetière. Est-ce qu'on a sur Pip-Boy dans l'inventaire, vous pouvez définir les objets comme favoris d'un pion sur Q. Ok. Du coup, attends, les soins. C'est où le soin? C'est là. Sur Q pour mettre ça en inventaire. Ah, d'accord, ok. Inventaire 3, donc. On va faire plutôt, attendez. Arme. Non, pas comme ça. Comme ça. Arme. On va le mettre en favori sur 3. Et soin, on va mettre le cafard. Merde, putain. Ah, oh, c'est pas ce que je voulais faire. Attendez, faut juste que je le prenne en main, excusez-moi. Hop, ça sur 4. Et le steam pack sur 5, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bouteille de Nuka-Cola. Les dégâts de radiation sont réduits dans votre réduit votre santé maximale. Consultez un docteur ou prenez du Radaway. Ok, donc j'ai... Donc c'est bien irradié, donc là je suis... Il y a une zone orange. Boîte de conserve. Une zone orange, est-ce qu'elle diminue? Est-ce que c'est les dégâts que je prends avec les radiations? Cachette de capsule. Capsule 14 ajoutée, ok. Ou est-ce que c'est ce qu'il disait justement le maximal? Prendre le ventilateur. Je prends tout ce qui traîne, hein. Je sais pas ce qui sera utile ou pas. Je pense pas qu'un ventilateur soit très utile. Terminé, retournez chez vous, parlez à Codsworth. Ah, il y a Codsworth. Fusible. Codsworth est encore là. Putain, ça marche bien, hein, l'énergie nucléaire, c'est... Je suis même pas chez moi. C'est même pas ma maison, en fait. Il a détecté, ça doit être la maison d'à côté. Je peux m'asseoir sur le canapé. Mais ma maison, c'est la suivante, non? Ouais, c'est... voilà. Codsworth, bonjour. Par ma barbe. Oh, c'est vraiment vous. Ils sont où tes yeux? C'est quoi tes yeux? Ah, c'est... qu'est-ce qui s'est passé? Codsworth. Qu'est-ce qui est arrivé au monde? Au monde, monsieur? Eh bien, mis à part le fait que nos géraniums continuent de faire des jaloux à Sanctuary Hills, j'ai bien peur qu'il ne se soit pas passé grand-chose par ici. Mais la maison sera bien plus animée maintenant que vous êtes de retour, votre épouse et vous. Où est madame, d'ailleurs? Ils l'ont tué. Monsieur, ces choses que vous dites, ces choses affreuses, je crois que vous avez besoin d'une distraction. Oui, une distraction pour lutter contre cette déprime. Cela fait une éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Nous pourrions peut-être jouer aux dames, ou pourquoi pas aux charades. Je peux quoi, adore ce jeu. Est-il avec vous? Tu es Sean, ça n'a pas de sens, on me l'a pris, il a été enlevé. Sean a été kidnappé. Mais je vais le retrouver. Je vais le reprendre, mon fils. C'est encore pire que ce que je pensais. Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement due à la faim. C'est le genre de choses qui arrive quand on ne mange pas pendant 200 ans. J'en ai peur. À 200 ans? What the f... 200 ans? Quoi? Qu'est-ce que tu... Un peu plus de 210 ans, en fait, monsieur. Plus ou moins quelques minutes. En raison de la rotation de la Terre et d'un léger souci de précision de mon vieux chronomètre. Cela signifie que vous avez deux bons siècles de retard pour le dîner. Souhaitez-vous que je vous prépare une petite collation? Vous devez avoir faim.
Attendez, il y a juste, je détecte un tout petit souci qui devait déjà y avoir sur le premier épisode, je suis désolé, il y a un tout petit rognage à gauche et à droite, je suis navré. Non, c'est pas ça. Hop, 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 hop. Attendez, il faut que je vous remette l'image correctement, elle est trop... Elle est un tout petit peu rognée, mais de rien, vous avez rien raté. Mais ça me perturbe un tout petit peu. Voilà, pardon. Vos interlocuteurs refuseront parfois de vous payer ou de vous révéler ce qu'ils savent. Vous pouvez alors essayer de les persuader et de montrer plus coopératif. Alors, attendez, et hop. Ça va, je ne sais pas, je ne veux pas manger. Cotsworth, tu as un comportement un peu étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, monsieur. L'unité est indiquée par une couleur, jaune pour facile, orange pour moyen. Ok. Personne à qui parler, ni personne à servir. Ok. J'ai passé les 10 premières années à essayer de cirer les sols, mais rien ne permet de ravoir les planchers quand ils ont subi des retombées atomiques. Rien. Je ne vous parle pas de la futilité de faire les poussières dans une maison qui s'est effondrée. Et la voiture? Comment faire pour polir la rouille? Qu'est-ce que tu sais? Se concentrer, arrêter, on se concentre. Reste avec moi, mon vieux. Concentre-toi. J'ai bien peur de ne rien savoir du tout, monsieur. Les bombes sont tombées et vous êtes tous partis précipitamment. J'étais certain que vous et votre famille étiez morts. J'ai retrouvé cette holobande. Je pense que madame souhaitait vous en faire la surprise, mais... ce que vous savez, c'est produit... Une holobande, c'est déjà bien, ce n'est pas grand-chose, merci. Une holobande? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Je pense qu'il s'agit d'un message d'ordre privé qui vous est adressé. Mes protocoles de convenance m'empêchaient de la lire. N'importe quel lecteur d'holobande devrait vous permettre de la lire. Comme le Pip-Boy que vous avez au bras, par exemple. Il devrait parfaitement faire affaire. Quelle chance. Je me suis suffisamment apitoyé sur mon sort. Souhaitez-vous que nous inspections le quartier ensemble? Peut-être retrouverons-nous madame et le jeune Sean. Du danger, peut-être, oui, non. Du danger. Est-ce que tu as vu quoi que ce soit de dangereux? Oh, comme d'habitude, monsieur. Ces maudits chiens errants et des moustiques. Voulez-vous que j'aille voir cela de plus près? Oui. D'accord. Je te suis. Je suis fier de vous servir, monsieur. J'aime bien le décalage entre... Ok, il y a eu un bombardement et... Oh monsieur, on joue aux dames, allez venez avec moi, il y a juste des chiens errants et des moustiques qui font la taille de votre tête. Ah. Ouais, voilà les gros moustiques, bah voilà. Taille de votre tête. Ouais. Ah mais Cotsworth, s'il a un lance-flamme. Attendez, je vais aller looter le cadavre. Viande de mouche. Y'a rien ici, y'a rien. Ouais. Quelques mouches. Attendez. Mes capteurs détectent du mouvement dans une autre maison. Ah. Grippe. Showing-gum. On va prendre le showing-gum. Attends-moi, Cotsworth, je visite. Attends-moi, gamelle de chien. Je prends la gamelle pour chien et je viens. On va dire c'est... Attends-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, encore des mouches. Ouais, ça... Ah, c'est one shot pas, ok. Si, si, non. Wow. Cotsworth, tu fais le travail, hein. C'est bien. Merci, merci, ami. C'est dégueu. Citrouille en plastique. Petite voiture et un hochet, ok. Ça, c'est pour Sean quand on va le retrouver. Oui, il a 200 ans, mais 200 ans, mais il a pas vieilli. Là-dedans, il y avait rien du tout. Et maintenant, un mot. Elle fonctionne pas, mais la radio fonctionne. Présentée en partie par le centre méga chirurgie, nouveau pour nos clients, la reconstruction faciale. La reconstruction faciale. Ok, et laissez-moi passer. Votre famille n'est pas là non plus. Ah, attendez, il y avait un truc. Tabouret, non, c'est s'asseoir. Non, il n'y a rien à loot. Hein. Il n'y a rien à loot, mais. J'hésite entre la première et la troisième personne, vraiment. Hey, Cotsworth. Oui? Madame et le jeune Sean. Je fais quoi? Donner, quête, hors du temps. Inspecter les quartiers avec Cotsworth. Tuer les insectes.
Parlez à Codsworth. Oh, et si je sortais ? Petite save rapide. Non ? Oui, Codsworth, qu'est-ce qu'il y a ? Codsworth. Putain, c'est long. Madame et le jeune Sean, ils ne sont pas là. Non, ils sont pas là. Et maintenant, Sean est en vie. Sean est là, quelque part, Codsworth. Je dois le retrouver. Et Concorde, monsieur. Il y a beaucoup de gens là-bas. Et la dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont juste donné quelques coups de bâton avant que j'arrive à m'enfuir. Bon, ça va. Concorde ? Il reste encore des gens en vie à Concorde ? Oui, même s'ils sont un peu rudes. Vous vous souvenez de la route ? Il faut emprunter la passerelle au sud, puis passer devant la station Red Rocket. Je vais rester ici afin de protéger notre foyer. Inspecter Concorde. Ok. Donc du coup, Concorde, c'est par là-bas, on dirait. Il y a une fusée aussi sur mon inventaire. J'ai pas écouté ce qu'il m'a dit pour au niveau de la route. Bon, on va suivre le GPS, hein. L'indication. Allez, sprint un coup. Est-ce que je peux me baigner dans les eaux croupies dégueulasses ? Ah non, plus de... buvez de l'eau. Pour restaurer votre santé, attention, l'eau non purifiée entraîne des dégâts de radiation. Ok. D'accord, d'accord. Donc Concorde, je suppose que c'est le machin là, mais il y a des fusées. Là, ah, Red Rocket, c'est ça ce machin anti-radiation, non ? Buvez de la Red Rocket pour moins de radiation. Est-ce qu'on peut prendre des voitures ? Parlez aux chiens. Quoi? Ruff. Salut, toi. Qu'est-ce que tu fais là, tout seul? Tu as perdu ton maître, tu m'as l'air sympa, sac à puce, allons-y. Tu m'as l'air sympa, toi. D'accord. On va faire un bout de route ensemble. J'ai un tuto avec moi. Regardez votre chien en appuyant sur E pour commencer à lui donner des ordres. Hé. Hey. Attendez là. Allez. Ah, tu le vous vois? Putain, je vous vois mon chien. Ok, non mais par contre, comment je fais pour sortir? Allez voir ce que c'est. Comment je fais pour quitter le... Le chien, j'ai pas vu le... Voilà, ok, clic molette. Vieux journal, on s'en fout, une assiette, on peut prendre. Des tasses. Je peux prendre la machine à café. Plaque chauffante aussi. Non mais, par contre... Annuler. Ah voilà, c'est plus le chien, ok, si je fais annuler, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Un grille-pain. Radio. Prends des ciseaux. Là, y'a rien. Des ciseaux. Ça, je peux prendre. Boîte de conserve. J'ai aucune idée de ce qui va me servir ou pas. Capsule. Cacher des capsules. Des cartouches. Du buff-out. Et viande de rat-top. Ok. Réveil, bouteille de Nucola. Par contre, il a fait quoi le chien là? Il a grogné un coup. Prends le. Ouais! Y'a des gros rats! C'est bon, tu l'as eu? Nickel. Viande, peau, fusible, dents de rat-top. Ok. Bon, je prends tout, hein. Je prends tout. Simpack, prends. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait un Simpack. Clé à molette, prendre. Ah, je dois pouvoir m'équiper. Cendrier sale. Je dois pouvoir m'équiper de. Le clé à molette. Inventaire, arme. Ah, j'ai un pistolet de fortune. Ok. Attendez, Q. Si je le mets en deux. Ah, j'ai que 6 balles. Ok. Atelier. Poste d'armes assisté. Fabriqué, trans. Et oh. Mais ça tire, non? Ah non, c'est les rats qui sortent de je sais pas où. Ok, donc il y a des rats qui sortent de un peu partout. Mais attendez, atelier, fouillé. Alors, l'atelier vous permet de construire, de modifier, de supprimer des objets, des structures et des structures proches. Parcourez les options avec les flèches, appuyez sur O pour trouver l'objet de la structure que vous souhaitez fabriquer. Si l'élément sélectionné apparaît en vert, appuyez sur E pour le fabriquer. S'il apparaît en rouge, modifiez sa position et la vôtre jusqu'à ce qu'il paraisse. Ce qu'il passe au vert. Les objets sont fabriqués à partir de composants. Quand vous fabriquez un objet, les composants sont automatiquement prélevés dans le bric-à-brac de votre inventaire ou atelier. Alors, je peux construire une maison. Au milieu, structure... Ah non, attendez. Enter. Non, O. Structure, bois. Préfabriqué, sol... Énorme ! Putain, il y a encore des... Saloperies !